Je sais pas si c'est parce que j'ai dormi que 3 heures la nuit dernière, mais j'ai super bien dormi. Yes. On ne voit plus rien. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui, je sais pas trop où on est, je crois qu'on est à une ville dans le nord du Vietnam. Et on va partir à Sapa, c'est une autre ville dans le nord du Vietnam, mais on vient d'arriver en train et on a encore une heure de bus. On a dormi dans le train, moi j'ai très bien dormi. Et puis bah c'est parti quoi. On vient d'arriver à Sapa, on a pris notre douche, on va prendre le petit déj avec une petite vue. Wow. Là on fait une petite randonnée dans les rizières en escalier comme ça. C'est vachement joli. Et en fait on va de village en village et on visite un petit peu. Bon, par contre moi je suis complètement crevé. J'ai pas beaucoup dormi les deux derniers jours. Du coup la balade elle a du mal à passer. Mais bon c'est tellement joli, on est obligé de venir profiter des paysages. J'ai pu faire un petit vol avec le drone. Fait accoster pour acheter des bracelets. Tu veux acheter des bracelets, Maël? Non. Je suis victime. Moi j'en ai déjà un. On est rentré de notre balade, on a mangé, on s'est installé dans une chambre d'hôtel et donc là. Avec Maël, on va essayer de partir louer un scooter ou une moto pour aller faire un tour dans les rizières, dans ce qu'on a vu en fait ce matin. Ça devrait être super joli. Du coup, la mission, ça va être de trouver une moto à pas trop cher. Bon alors, on a juste demandé à l'accueil de l'hôtel et puis c'est bon, ils nous amènent un truc de moto. 80 000 essence comprise. C'est pour la fin de journée. Ça fait quoi 80 000, c'est 3 euros. C'est 3 euros. Bon alors avec Maël on a fait une grande balade dans le scooter, on s'éclate, on est revenu un peu là où on était ce matin. C'est trop joli, on s'est arrêté prendre un petit truc à manger. Là je vais vous dire à tout à l'heure parce que j'ai plus beaucoup de batterie dans la caméra. Donc je vous retrouve à l'appart. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui encore c'était une journée de fou ici au Vietnam avec les rizières magnifiques dans les montagnes. C'est exactement ce qu'on va voir dans les 2 ou 3 prochains jours. Donc j'ai hâte de découvrir le reste. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour la vidéo suivante. Ciao !